Et bonjour à toutes et à tous, c'est Akatsuki. On se retrouve pour un nouvel épisode de Battle Mech. Donc lors des derniers épisodes, on était en train de vider Appian de tous ses contrats. On avait récupéré pas mal de pièces de mech, tous ses contrats. Malheureusement, on devait réparer notre Spider qui avait pris cher. On n'a plus que 3 mechs disponibles. Mais les autres, on aura bientôt nos mecs de disponibles suite aux réparations. Donc on va peut-être attendre quelques jours sans faire de contrat. On a un contrat de mission prioritaire qui est arrivé qui va nous donner plus d'1 million de dollars, mais il est de difficulté 2. Et on était en train de farmer du pognon et des pièces pour ne pas le faire tout de suite parce qu'on n'a pas de date butoir, donc ce serait bête de ne pas farmer comme un porc. Défense contre les frappes, défense au corps à corps, frappe au corps à corps, oui. D'équerre. On peut rien te donner. Glitch, on peut rien te donner. Medusa, on peut rien te donner. Très bien. Alors, nos 4 jours, 7 jours, 11 jours, très bien. Les contrats, juste pour voir. Donc ça, c'est la mission principale. 1 700 000. 600 000. Regardez, alors, on a encore 3 contrats à faire dans cette, sur cette ville. Ici, à Sacromonte. Et ici, c'est à Weldery. Très bien. Donc on va attendre 3-4 jours pour réparer. Et voir si les contrats sont toujours disponibles. Notre rapport financier est dans 22 jours. On voit ici qu'on a énormément de mois d'avance. On a 8 mois d'avance, ça devrait le faire au niveau du pagnon. Très bien, notre Jenner est réparé. Donc on aura assez de mecs, on aura 4 mecs pour faire les missions. Donc faisons une petite mission, faisons celle-ci pour la Confédération Capellienne. C'est parti. Après un combat récent contre nos forces, les unités d'une escouade de la magistrature de la Canopée ont fui le champ de bataille. Ils ont probablement réussi à réparer leur mec, au moins en partie. Ils représentent donc toujours une menace pour la Confédération Capellienne. Nous aimerions nous en débarrasser, pour de bon. Retrouver les survivants et achevez-les. Une escouade partielle de mecs, ça ne doit pas être si terrible que ça. Non. Alors on a vu qu'on avait énormément de mois d'avance, donc on va surtout salvage en ce moment. On n'est plus trop à se faire du pognon, enfin s'en faire pour le pognon. On va toujours prendre d'équerre, pourquoi? Parce qu'il est moins évolué que Medusa. Donc on va essayer d'avoir des mecs warriors assez, assez équilibrés au niveau des niveaux. Surtout pour les légers. Et on se retrouve après le petit temps de chargement, bien évidemment. Voici la dernière position connue de l'escouade ennemie. Avancer, taper-les, tuer-les. On connaît la chanson. En avant. Ça sert à rien de profiter de cette forêt parce qu'ils vont jamais venir jusqu'à nous. Contact ennemi déjà. J'ai dit de la merde, comme d'habitude, je dis toujours de la merde. C'est pas grave. Avançons. Oui, ils viendront certainement pas à nous. Ils sont pas si cons. C'est ce que je me disais. Tu n'es pas si con, mon ami. Est-ce qu'on a un petit peu. Ici, on a un petit peu plus d'esquive. On n'a pas de couvert, mais bon, on sera retranché. Et on pourra voir ce que c'est. Ah! On va avoir un deuxième ici. C'est quoi? Un enforceur. Équipé de quoi? Giga laser, petit laser, AC-10. Si on a assez de pièces à récupérer, tu vas certainement faire partie de ma collection. Allez. Structure exposée, très bien. On commence déjà à faire des dégâts à l'ennemi. Attention, il essaye de nous contourner. On le voit ici. Petit salaud. Petit salaud deviendra grand. Ok, ici,
on peut commencer à lui tirer dessus avec nos mecs. Donc faisons-le, on va bien se mettre de façon à pouvoir tirer sur celui qui essaye de nous contourner. Allez, avec des missiles. Bien, 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 bien. Attention, il a l'air puissant au corps à corps. On va essayer de... Wouhou! Merci le Jenner d'être un mec relativement rapide qui te permet d'esquiver. Toi, c'est pareil, tu vas équilibrer pour pouvoir... Ah, chiotte! On a un autre là-bas. Petit salaud. Bien! On expose bien la structure de l'ennemi, là. Ce sont de bonnes opérations. On peut sauter, oui. On peut sauter de façon à voir l'ennemi. Donc si on arrive à lui faire mordre la poussière, ce serait très bien. Allez. Il est solide, hein. Il est solide. Il prend pas mal de coups, c'est un bon tank. Espérons qu'on puisse le récupérer. Ok, ils ont un Jenner comme nous. Très bien. Le Shadow va aller s'en occuper. Certainement. Alors. Hop là. On va se placer de façon à pouvoir tirer sur les deux. Ta cible prioritaire, ce sera lui. Avec toutes tes armes, attention à la surchauffe, mais tira dans l'eau plus tard. Yes. Yes, on l'a tué. Ok, on fera déjà ça en moins. Et il ira dans l'eau, notre Jenner, pour se refroidir un petit peu. Attention, nous on a pas mal chauffé aussi. Faut faire attention à ça. Behemoth Glitch. Tu peux pas aller au corps à corps, mais tu peux bien t'approcher de lui. Attention, il a beaucoup d'esquive. Ça se déplace beaucoup, ces petites saloperies. Mais ce qui est bien, c'est que c'est fragile. On a déjà explosé sa structure. On va bien évidemment enfoncer le clou. Plus on enfonce le clou, plus ils sont dans la mouise. Voilà, c'est bien ça. Ok. On lui fait du dégât. C'est une bonne opération. Ici, on peut voir les deux. Donc, on va faire ça. Et on va faire en sorte de pouvoir tirer sur nos deux ennemis. Quoi ça? Ah, un blackjack. Donc, on va. On connaît sa puissance parce que nous en avons un également. Faire en sorte que. Il subisse des dégâts. Ça n'a pas été très concluant. On aurait peut-être mieux fait de tirer sur le Jenner et nous sommes inspirés. Oh. Prenons du dégât. Il nous tire dessus, les lâches. Alors, on a vu. Bah oui, écoute. Il y a un coup de boule. Tiens. En même temps, ça nous refroidit. Attention, notre Blackjack subit des dégâts. Mais l'ennemi n'a pas bougé. Ça veut dire que si on saute et qu'on s'aligne bien, genre ici, on va pouvoir lui tirer dessus avec toutes nos armes. Que nous allons faire. Voilà, oui. Oui, subis des dégâts. Leech, tu veux aller au corps à corps. Je sais que c'est une artilleur. Mais ce n'est pas grave. Mets-lui des patates. Oh non!
Alors, on peut pas trop trop lui sauter dans le dos. On peut aller se mettre en forêt nous aussi, donc on va le faire. J'aurais pu lui sauter dessus. Oui, tu surchauffes là, mec. C'est pas grave. Tu vas juste pas tirer avec tes lasers, tu vas tirer qu'avec tes acés. Voilà. Il a un rempart. Hein. C'est un mec qui aime bien se défendre. Aïe aïe. On tire dessus. Mince. Notre Jenner est maintenant exposé. Sa structure est exposée, on va devoir le réparer. Dommage. Là, on va se mettre dans l'eau pour refroidir plus vite. Et on va lui tirer dessus dans le dos avec toutes nos armes comme un gros sac. C'est pas grave, hein. Au moins on a consommé son esquive. Attention à notre Blackjack, hein. Il va finir par subir des dégâts et avoir sa structure exposée aussi. Alors, on va retenter une attaque au corps à corps. On n'est pas bon hein, sur les attaques au corps à corps avec glitch, mais bon. Même en étant mauvais. Une petite babaf. Ok. Alors... Oh, on peut tenter. On peut tenter. Allez, on tente. L'exécution. On a pris des dégâts, mais c'était marrant. Oui, oui, oui. On est là aussi pour s'amuser. N'est pas là pour optimiser. Allez. Mais ah, je me disais aussi. Explosion de munitions. Bon, on va avoir des réparations à faire. Donc on va squatter un peu. Mais c'est pas grave, c'était drôle. On est là aussi pour s'amuser. 38 000. Très bien. Donnez-nous le pognon. Ouais, en plus, c'est une patte qui était magnifique. Alors, yes. Et hop là. On va confirmer. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne la partie de Jenner. Très bien. Et laser, réacteur de saut. Très bien, très bien. On s'en sort plutôt pas mal sur les équipements qu'on récupère. Et on va en profiter pour voir si on peut pas modifier un peu notre Blackjack, vu qu'il est il va être aux fraises. Donc B, s'il te plaît. Alors, le Blackjack, remettre en état. Est-ce que, à tout hasard, on pourrait faire ça? Ah ouais, non. C'est genre beaucoup trop. Dommage, dommage, dommage. On va lui mettre un lance-flamme. On fait ça. 4 tonnes, c'est beaucoup. Beaucoup, c'est beaucoup. Mitrailleuse, ça coûte combien? 5 tonnes. Enfin, 0,5 tonnes. Et si on rajoute les munitions, bien évidemment, on est à 2 tonnes. Tu veux... On est à 2 tonnes. On peut diminuer un peu. Ouais, mais non. Ça pue un peu hein, cette histoire. Ouais, on va retirer ça. On va retirer ça. Non, je vais tout undo. Ça sert à rien. On va tout réparer. Confirmer 2 jours. Toi, tu vas le réparer aussi un seul jour. Très bien. Très bien, très bien. 3 jours, 7 jours. Ok, il me dit 2 jours et en fait c'est 9 jours.
C'est moi qui suis con ou le jeu essaye de me la mettre à l'envers. On va voir si les missions seront toujours disponibles quand on aura fini de réparer nos petits mecs. Mais là, il faut qu'on répare. Surtout le Blackjack. Et voilà, c'est le Blackjack quoi. Un peu le nôtre, c'est notre bébé à nous. Pour un jour. Voilà, merci. Les contrats, qu'est-ce qu'on a? Ok. 850 000. 800 000. Bien sûr qu'on va le faire. Cela fait des semaines que des forces de la Confédération Capellienne explorent un territoire situé près d'une zone gouvernementale locale. Nos anciens rapports n'ont rien indiqué d'intéressant dans cette zone, mais elles sont pourtant là. Quoi qu'elles aient trouvé, nous ne voulons pas qu'elles s'en emparent. Cassez-leur le cul. Très bien. Nous perdons peut-être notre temps, commandant, mais bon, il n'y a rien à trouver. Perdre notre temps. 800 000 balles. 800 000 balles. 243 de neuf, on va faire ça. C'est parti. J'ai pas regardé mes mecs warriors. C'est pas grave, le Jenner. Oh là là. Le Centurion. Laser. MLP, MLP, MLP. AC5. Portée de déplacement. Il déplace beaucoup moins. Et du missile, hein. C'est de l'indirect surtout. Ouais. Donc pour le moment, on va rester comme ça. Le Spider, il peut beaucoup se déplacer. Il a moins de puissance de feu que le Jenner, donc on va garder le Jenner. On va partir comme ça. C'est parti. On se retrouve après le petit temps de chargement pour cette mission qui va nous rapporter un max de pognon et des pièces. Allons-y. Nous voici dans la région, avancer, éliminer les ennemis. Dans la mesure du possible, aucun ennemi ne doit survivre. Oh franchement, est-ce que c'est notre genre de laisser des ennemis en vie? Oh. Darius, s'il te plaît. Déjà? Très bien. Les a déjà détectés. Merde. On est en train de se mettre dans une cuvette, plutôt que de passer par la route. Faute. Déjà on fait les cons. On commence mal. Mais c'est pas grave. Allez. Ah, ils sont deux. Pour le moment, ils ne sont que deux. Très bien. Allez, Decker. Allez, Black. On n'a pas le droit de la faire, cette blague. Dommage. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est un quoi, ça? Un Kintaro. Encore, ok, surtout du missile. Et un fléa. Mitrailleuse lance-flamme laser. Oh là 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 là. Cassage de cul. Mais là, on a plus de chances de le toucher, donc. Pas de toutes les armes. Ok. Les bordels, ils sont solides. Bon, le fléa, à mon avis, ça va pas être trop solide, mais ça, c'est du missile, ça. Wouhou! Yes! Esquive de laser. Quel talent! Quel talent! Alors, on va faire jouer Behemoth. Il va tirer sur le fléa. Il me fait peur, le fléa, excellence flamme. J'aime pas ça. On lève lui son esquive. Très bien. Alors, glitch. Tu connais ton travail, ce sera de faire un multi-cible pour enlever l'esquive du fléa. Il me fait trop peur. C'est marrant que c'est pas le gros qui me fait peur, c'est le petit. Tu vas tirer, bien évidemment, pour lui retirer sa dernière esquive. Yes. Rupture exposée sur le Kintaro. Ah. Attention, on voit un ennemi ici.
Ok. Et bah multi-cible, si on peut tirer sur les deux, mais je pense pas qu'on pourra tirer avec nos lasers. Certainement qu'avec nos AC qu'on pourra tirer. Ah non, on peut tirer avec toutes nos armes, donc multi-cible, ouf. B, B, B. On va tirer avec les lasers sur B et avec les AC sur A. Et sans la toucher, malheureusement, pas assez. Ok, on lui a pas fait grand chose. Attention à lui là. Je sais pas ce que c'est, ça se déplace beaucoup. Ouh, un laser comme tir. Attention, attention. Ne faisons pas n'importe quoi. Alors. Oui, bien sûr, ouais. On va aller au corps à corps. Je vais prendre un point d'esquive en plus. Parce que ça va être important pour toi, je pense, et tu pourras flinguer le fléau, c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc tu le flingues, je m'en fous. Yes. Structure exposée, mitrailleuse, coup critique. Très bien. Très bien, très bien. Allez, c'est tout mignon. On dirait un locuste. Un petit peu. Il me tire dessus. Est-ce que moi je le tire dessus? Non. Mais c'est hallucinant à quel point ils peuvent être méchants. Nous on tire pas, on est des gens gentils, on apporte des fleurs, tout ça, et on nous tire dessus. Donc on est obligé de répondre, on est obligé de se défendre. C'est ce que retiendra l'histoire, bien évidemment. Allez, tiens. Oui. On a affecté son radar. Bordel de chiottes, il est solide. Envoie la max de missiles quoi. Par contre j'ai l'impression qu'il surchauffe vite. Et très bien pour nous, bien évidemment. Parce que plus ils surchauffent, moins ils peuvent utiliser leurs armes. Alors. On était au Fria, il avait pas d'esquive, donc bah. Tire avec toutes tes armes sur le Fria s'il te plaît. Yes. Jambe détruite. Il est à terre. Le prochain tour, il ne fera rien. Bien. Et nous, on va tirer comme un sac. Heureusement qu'il n'y a pas d'arme de zone là, parce qu'alors là. Bah alors toi, mon gars, mais tu vas manger, mais tu vas manger. Tiens, voilà, tiens, tiens. Voilà, mange. T'as rien fait, mais mange quand même. Attention à lui, c'est quoi ça? Grâce au peur. C'est gros, c'est gros, c'est gros. Il me faut ça. Je le veux. Je le veux. Je veux des morceaux de ça. Bon, toi, ça sert même à rien que t'ailles là-dessus. T'arriveras jamais à lui faire du dégât. Quand mon corps à corps, là tu vas te prendre une baigne, tu vas mourir. Alors. Oui, oui, tu surchauffes, t'inquiète. On va t'enlever ces lasers là, tu vas viser le torse, tu vas tirer s'il te plaît. Yes. Ça en fait toujours un de moins. Toujours un ennemi en moins. Bien sûr. Prends la bague sans missile. Ah. Ah ouais, ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Avance. On va essayer absolument de détruire ce Kintaro et après on concentrera toutes nos attaques là-dessus. Ça, ça. Ouais, t'as du laser. Oui, surchauffe, tout ça, tout ça. Et bah, tu coupes. Punaise. Bon. On arrive à le découper.
Waiting on you, Commander. Il faut qu'on arrive absolument à les découper là parce que il commence à être chaud. Vas-y, multi-cible. Sur B. Sur B. Parti. Ok. J'ai rien subi comme dégâts quasiment. Vas-y, faire les missiles là-dessus. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible, on leur fait presque rien comme dégâts. Comme quoi, dès que ça commence à être des mecs un peu plus costauds, quand c'est pas du locust, on a du mal. Allez, vas-y. Détruis-le. Oh punaise. Il est instable. Ça va pas l'empêcher de nous mettre la max. Oh, regardez, il est trop beau. Notre Blackjack commence à faire un triste mine. Notre ami Decker. Bien sûr, tu vas aller au corps à corps. Aller au corps à corps contre ça, on va rigoler. Vas-y, va dans son dos et mets-lui la max, s'il te plaît. Et non! Va tirer dans la montagne. On a exposé sa structure dans son dos, très bien. Et qu'est-ce qu'il veut faire avec son Kintaro de Ika? Et qu'on tire tout sur notre Blackjack. Hein. Oh, encore abîmé. Shit. Bon. Emote, tu vas sauter. Tu vas sauter. Tu vas aller derrière. Tu vas pas tenter l'attaque sautée parce que à mon avis je suis pas trop de dégâts. Surchauffe. Coupe tes deux petits lasers. Ah. Ah. C'est pas bien visé. Donc allume que tes petits lasers. Allez. Yes. Plus que le gros. Et le gros, on va. Tu vas te déplacer ici. Allez mon petit Shadowhawk. We believe in you. We trust in you plutôt. Sauter dans la forêt. Hop là. Et on surchauffe si on tire avec les lasers. Donc on va pas tirer avec, malheureusement. On va prendre une. On va prendre la max. Ouf. On est au sol. On est au sol. Et non. Ici tu le vois. Je sais pas comment tu fais mais tu le vois. On a pris la max. On a pris la max les gars. Allez punaise. Là, tu peux te déplacer pour tirer dessus. Allez les gars, il faut me sauver là. On a pris la max. Allez, voilà. Voilà. Attends. Bon. Il est que monsieur est solide. Tire avec tout là. Ouf. Dans le bras, très bien. Oh punaise, on lui fait rien comme dégâts.
prends le max. Ouf. Structure exposée, attention. À tout prix qu'on arrive à la battre. Tes lasers. Allez. Dissipateur thermique ennemi détruit, c'est bien quand il va pas encore. Toi pareil. Il faut passer dans son dos et tout lui mettre dans les fesses. Il a une jambe abîmée apparemment. Attention, on est instable. Allez. Pas possible. Les gars, faut y aller là. Ah, je veux pas aller au corps à corps, vu qu'est-ce qu'il nous a mis là. Il détruit le Bloodjack en un shot. Allez, vas-y. Eh ben. Vas-y, esquive. J'ai pas fait quelque chose de ta vie. Oh, punaise. Prends cher. On prend trop cher. On prend beaucoup trop cher. Heureusement qu'on va pouvoir récupérer des pièces. Moi, je veux récupérer ça. Modèle là. Je le veux. Je veux lui. Ah. Allez. Yes. Solide cette saloperie. Il nous en faut des comme ça. C'est pas possible autrement. Allez. Yes. On va avoir tellement défoncé toute son armure. Hein. Tu l'as ? De se replier, hein. On prend cher, on prend trop cher. On a perdu un AC5 en plus. Allez. Naze. Il va tellement nous mettre la misère. On peut pas y aller au corps à corps contre ça, on va rien lui faire en dégâts. Tellement rien lui faire en dégâts. Allez. Il reste plus que de la. Il n'y a plus que de l'armure, quoi, j'ai l'impression. Il est tout le temps en train de taper dans son armure. C'est là qu'on voit que les mecs lourds. Ça va y aller. Moi aussi, quand je vais en avoir, vous allez voir. Allez, punaise, elle a sa grosse arme qui est glue, forcément. Yes. On a quand même détruit un de ses bras. Allez, ma glitch. On va tirer sur son côté où il a plus d'armure. Attention, elle va tomber. On dirait un pugilote. Allez. Oh là 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 là. Je veux pas crever, sérieusement. On a deux à terre. Elle est dure celle-là, elle est dure. Hein. Mais un peu de sel. Un peu de sel. C'est du bien aussi. Et là on voit que le jeu il est pas si facile que ça. Hein. On roulait un peu dessus là, mais là. Yes. Solid connection on that one. Ok, on commence à voir le bout du tunnel. Il va peut-être faire moins de dégâts maintenant en allant encore à corps. Alors oui, tu vas pas utiliser ton gros canon parce que ça va consommer énormément de chaleur. Chiotte.
On va être inopérant pendant quelques jours, je pense. Mais, allez, dans son dos. Et le corps à corps contre ça, c'est même pas la peine de l'imaginer. Surtout avec un léger. Se faire défoncer l'arrêt des fesses. Allez. Aise. Non, t'as le droit d'exploser aussi. Tu le sais, ça? J'aimerais bien que tu exploses. Voilà. Acknowledged. J'espère que j'ai pas fait un misclic. Ici, complètement misclic. Punaise! Le misclic de la mort. Oui, mets-toi devant moi. Merde. Bon, ce qui est bien, c'est que notre Jenner, il est super rapide, donc il pourra l'esquiver et lui tirer dessus. Jamais on en arrive là, ça serait ridicule, mais... Allez, mais crève, quoi. Pas possible. C'est pas possible. Quand est-ce qu'il crève? Ah, au moins, on est refroidi, vu qu'on n'a pas pu tirer à cause du misclic. Allez. On tire avec tout, et cette fois, on le tue. Quel talent. Cette mission était extrêmement facile, bien évidemment. Moi je sais ce qu'il cherchait, moi. À nous de tuer, salaud. On s'est fait défoncer l'arrêt du cul. Voilà, là on va perdre un max de pognon sur cette mission, parce qu'on va devoir tout réparer. Remplacer les armes et tout. Ça va nous coûter cher. Très très cher. Regardez-moi ça, ils sont tout cassés, on n'a plus de MCP, on n'a plus de réacteur de saut, on n'a plus d'AC5, oh là 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 là. On a cassé nos munitions d'AC2, on a pris trop cher. Oui, prenons les pièces de ceux qui nous ont cassé le cul. MLP, M-Laser, petit laser, dissipateur d'armes, réacteur de saut. On s'est fait... allumer le cul. Mais avant de se quitter, on va quand même faire les réparations, lancer les réparations, rééquiper nos mecs, voire peut-être acheter de nouvelles armes si on n'a pas ce qu'il faut pour les remplacer. Et on se quittera après ça, bien évidemment. Et on va voir combien de temps on va être inopérant. Certainement plus d'un mois avant de tout réparer. Ça risque d'être très compliqué. Perte de Mech Warrior. Glitch est morte. Crah. Bon. On doit recruter. Malheureusement. C'était un artilleur. On n'en a pas ici. Aye, aye. On va prendre Knife. Allez hop, viens là toi. New Mech Warriors available. Dommage. Nous allons devoir tout réparer. Et là, ça va coûter cher. On va mettre en état. 84 000. Alors, qu'est-ce qu'on a perdu ici? Des munitions d'AC2. Est-ce qu'on en a encore? Oui. On va les remettre. Et on est OK. Confirmé. Toi, t'avais rien perdu. Réparé. 12 000. Oh là 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 là, ça nous coûte cher. 10 jours, 13 jours, 110 jours hors combat. Nous sommes 110 jours hors combat. 110 jours. 250 000. Alors, un AC5. Qu'est-ce qu'on a perdu encore? Ouais, non. Voilà, on va déjà tout rééquiper comme c'était. Les munitions. Les munitions d'AC5 ont été perdues.
et MCP. MCP ont été perdus. Des réacteurs de saut également. Et c'est tout. Deux réacteurs de saut qui ont été remis. MCP, ça a été remis. AC5, AC5. Oh là là, 200. Rien que réparer celui-ci, ça nous prend tout ce qu'on a gagné. 46 jours, 13 jours, 10 jours, 110 jours. Oh là 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 là. Bon, on va aller recruter un autre MechWarrior aussi. On peut pas rester 110 jours sans rien faire. Commander. Ça vient là. On n'a plus qu'un million neuf, quoi. Est-ce qu'on peut s'améliorer au moins? Et oui. On a failli y passer, quoi. Pénalité de tir indirect. Allez, frappe des arts. Plus de dégâts. Corps à corps, ça nous sert à rien. Training complete. Yes, Commander. Toi. Donc un peu d'expérience pour monter, donc on va pas te monter. Knife. On va t'améliorer aussi. Alors on a Knife et on a Knife Edge. Attention. Et Medusa, il peut pas non plus s'améliorer. Donc tant pis. Nous avons perdu Glitch. Pour cette terrible nouvelle. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.